Bonjour. Ben voilà, je suis dans l'ouest de la France, dans la Sarthe. C'est très beau. J'y ai beaucoup de souvenirs d'enfance. Et en fait, le décès de ma mère m'entraîne à penser que c'est peut-être une des dernières fois où je traverse comme ça ces paysages. C'est des paysages qui me sont très familiers, que je connais depuis très longtemps. On venait en vacances et régulièrement, dès l'âge de 13-14 ans, je prenais le vélo et je faisais des dizaines de kilomètres sur les routes le matin, le soir. J'aimais beaucoup. Ce sont des paysages qui ont beaucoup changé toutefois parce qu'autrefois, les champs étaient entourés de haies, ils étaient beaucoup plus petits. Et maintenant, comme vous pouvez voir, c'est immense. Mais j'aime beaucoup la nature. Je l'aime encore plus depuis que je vis au Japon, parce qu'en fait, au Japon, la nature est très présente, mais elle est très abîmée. Et puis, je peux constater vraiment le contraste avec les paysages ici, qui sont des paysages très vastes, très très verts, comme vous pouvez voir, c'est magnifique. Voilà, je vous ai montré ce coin donc, qui est dans la Sarthe, dans le Perche sartois. Ici, on est entouré donc des vallons et collines. Là, en fait, on est dans une vallée. Plus loin, bon, c'est partout, c'est des collines, un peu partout. La ville la plus proche est La Ferté-Bernard, qui a été une ville fondée au Moyen-Âge sur des marécages, ce qui permettait de protéger le château. C'est une petite ville, mais quand même qui a son importance au niveau historique, puisqu'elle a appartenu aux Orléans, aux Guises. Bien, et puis sinon, je vais bien. Je peux pas vous dire que je suis heureux, c'est pas ça, c'est très différent, c'est un sentiment très, très mixte. La maladie a été très longue, donc ce serait très égoïste de vous dire que j'aurais aimé qu'elle vive plus longtemps. Quand on est gravement malade et qu'on souffre, je pense que c'est beaucoup mieux de partir très vite. Ça a été un petit peu long, mais pas trop. J'ai des hauts et des bas. Vous voyez par exemple ici, le paysage a beaucoup changé, donc j'ai beaucoup de mal à rattacher à des souvenirs d'enfance, mais dès que j'aperçois un endroit un peu familier, c'est vrai que ça me rattache à elle. Donc c'est des hauts et des bas. Je vais plutôt bien, donc c'est plutôt des hauts. J'ai craqué deux fois. Un sentiment de... C'est pas de l'absence, c'est pas du vide. C'est... Je sais pas comment on pourrait appeler ça. C'est le sentiment de plus pouvoir rien dire, tout simplement, je crois. Ou le sentiment de plus pouvoir écouter. Mon frère m'a envoyé une photo il y a deux jours. Alors cette maman-là, je ne la connaissais pas. C'est une photo juste avant qu'elle tombe malade. Elle est très très souriante. Je l'ai bien reconnue. Mais quand je dis que je ne la connaissais pas, c'était un lieu que je ne connaissais pas. C'était des circonstances que je ne connaissais pas. En fait, ça m'a fait très plaisir parce que, bah oui, elle avait une vie. J'ai un fond très religieux. Je vais peut-être en choquer certains, mais j'assume. J'ai un fond très religieux. Je crois absolument pas à la mort, pas comme un... Je sais pas.
La mort, c'est qu'une question d'absence. C'est pour nous que ça se situe. Pour la personne qui part, la mort, ça n'existe pas, en fait. Ça existe avant. Je pense que la dernière fois où je l'ai vue, elle savait qu'elle allait partir. J'ai repensé à ces mots pendant des jours et des jours, et puis je m'en suis voulu de pas les avoir entendus à ce moment-là. Et puis quand on s'est parlé, bon là pour moi c'était clair, c'était la dernière fois que je l'avais au téléphone. Je pense que c'était très clair aussi pour elle. Je pense que c'est des moments très difficiles pour la personne qui part juste avant. Je crois qu'on mesure le poids de sa propre absence. On est triste pour les autres, peut-être. Je sais pas du tout, mais je pense que ce serait plutôt ça qui me toucherait si je venais à savoir que j'allais disparaître. C'est savoir que plus jamais je pourrais dire des choses, voir, et puis... Et puis une mère, je pense que c'est très très différent d'un père. Mon père me manque beaucoup. Il est parti, j'étais très jeune. Il m'a laissé avec des questions que j'ai mis des années à me formuler intelligiblement et pour trouver des réponses qui soient mes propres réponses. La mère, c'est très différent parce que le contact avec une mère, il est charnel. Ma mère m'a allaité. Elle m'a tenu dans ses bras. Elle était au-dessus de mon lit quand j'étais malade, tout petit. Et puis, quand papa travaillait, bah, j'étais avec elle. Plusieurs fois depuis la semaine dernière, je me suis revu tout petit. Je me suis revu tout petit, mais vraiment haut comme trois pommes. Et ma maman, elle est grande. C'est des souvenirs touchants. Des fois, ça me rend un peu triste, parce que je m'aperçois que le temps a passé, qu'il a passé pour elle, et qu'en fait, il a passé pour moi. Je crois qu'on, quand on perd un parent comme ça... Pour papa, c'était très différent. J'avais 24 ans, donc je pouvais pas mesurer que le temps était passé, mais... J'ai 53 ans, elle avait 85 ans, je mesure que le temps est passé. Et que ce temps-là, en fait, on s'en aperçoit pas. C'est un temps qui reviendra pas. C'est pas triste. C'est pas mélancolique. C'est un peu comme une armoire normande qui vous tombe sur les épaules. Vous saviez très bien qu'elle allait vous tomber dessus, mais quand elle vous tombe dessus, c'est quand même assez... c'est une surprise. Parce que c'est pas une armoire normande comme les autres. L'armoire normande, en général, c'est la mauvaise nouvelle. Celle-là, c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est beaucoup plus proche d'une réalisation de... beaucoup de choses. Savoir qu'on est mortel. Et que moi aussi, je mourrai. C'est très égoïste. Hein. Je crois que c'est ça le message des parents, en fait. Si on commençait la vie par la mort, en fait, peut-être qu'on vivrait mieux. Parce qu'on saurait. Le problème, c'est qu'on commence la vie par la vie, donc on ne sait pas. On croit que c'est éternel, c'est en nous. Hein. Quand on est enfant, c'est une énergie pas possible. Et puis, passé un certain âge, les faits nous font réaliser que, bah non, on n'est pas le centre du monde, qu'on n'est pas une exception,
et que tout ça, ça s'achèvera aussi. C'est pas grave, hein, c'est la règle du genre. Je suis assez philosophe sur la question, hein, je suis content de faire cette promenade tout seul, dans la campagne, d'aller au village à pied. Je suis resté dans un hôtel à La Ferté-Bernard. J'y retournerai ce soir et j'y retournerai à pied. Là, je fais une marche de 10 km, ça va me faire beaucoup de bien. Et puis je revois ces routes. Je piquais un vélo à maman quand j'avais 14-15 ans et puis j'allais à La Ferté. Je faisais 13 km en vélo. Allez, 13 km au retour. Je me rappelle, elle m'avait acheté un petit appareil photo. On avait trouvé ça aux puces. C'était un truc d'occasion, je sais pas, on avait dû le payer 5 francs, un machin comme ça. De temps en temps, je m'arrêtais, je faisais des photos des paysages. Ça faisait des photos pourries, hein. Mais c'était mes photos, c'était déjà moi. Vous m'en voulez pas si je vous regarde pas, hein. C'est pas totalement nécessaire. Voilà, donc j'ai marché déjà 3 km. Ils ont aménagé un rond-point, il n'y avait pas ça avant. Mais c'est super dangereux. Hein. Je marche sur la route, je connais bien, donc je fais attention. Mais en fait, c'est super dangereux. Ils ont bien aménagé, parce que c'était pas comme ça avant. Il y a dû y avoir pas mal de morts. Hein. Voilà, donc là, je peux traverser. Voilà, bah je posterai ça plus tard. Moi, je vais continuer ma marche à pied. Voilà. Au revoir. Voilà, donc c'est la fin de mon séjour dans la Sarthe. Les obsèques ont eu lieu mardi, on est samedi. J'ai classé des documents, j'ai eu le temps de beaucoup réfléchir à elle, à la famille. Je vais partir tout à l'heure pour La Ferté-Bernard, pour prendre le train pour Paris. Ça c'était la maison de grand-père en fait. Moi, j'aurais vraiment beaucoup aimé que maman prenne cette maison plutôt que l'autre maison. Mais je ne saurais jamais vraiment le fin mot de l'histoire, si c'est elle qui s'est aplatie ou si on y a fait comprendre, etc. Là, je me souviens, il y avait une dame qui habitait, un monsieur, je crois, qui habitait. C'était une vieille maison, elle a été retapée, elle est vraiment devenue très très belle. En fait, la maison de maman, elle peut devenir comme ça, même si pour le moment, c'est pas le cas, bien entendu. Et donc, comme tout à l'heure, je vais à La Ferté-Bernard, dans 30 minutes, en fait.
Eh bien, ce matin, je vais voir la tombe de maman. Je crois pas du tout au fait qu'une tombe soit un endroit où les morts soient, donc je sais pas. Par contre, c'est un lieu... Ça fait partie des passages nécessaires pour dire au revoir. Un peu comme quand j'ai vu mardi le corps de maman. C'est important, hein. Spécialement pour moi qui ne l'avais pas vu dans les dernières semaines. J'aurais voulu documenter plus par vidéo en fait mon séjour ici, mais c'était vraiment pas nécessaire quelque part parce que c'est un moment intime. Et puis il y a d'autres choses à faire, et parmi toutes ces choses, j'ai retrouvé ma famille. Et je peux dire vraiment que je l'ai retrouvé, car s'il pouvait y avoir des sentiments complexes et autres, je me suis aperçu qu'ils avaient totalement disparu. Et que quand on dit que tout est vanité, je crois que quand on passe un certain âge, une sorte d'évidence à ça. Alors là, le cimetière est... Voilà, donc là, il y a un monsieur qui m'a appelé du Japon, call center ou je sais pas quoi. Et je vais donc aller sur la tombe de maman. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a que... Il n'y a qu'une dalle, on fera mettre quelque chose plus tard. Voilà. Je vais vous laisser maintenant parce que j'ai envie de rester une minute tranquillement. Au revoir. Voilà. Pendant très longtemps, les vacances d'hiver, les vacances d'été, parfois les vacances de printemps, c'était ici, dans la maison de grand-père. Et tout à l'heure, je vais dire au revoir, ça va être très important en fait. C'est un au revoir plus qu'un au revoir, c'est un adieu. Pas seulement à maman, mais à l'endroit qu'il a vu naître. Et bon, pour différentes raisons que je vous expliquerai dans le blog. Toutes les attaches disparaîtront à jamais. Je dois dire, une des choses que j'ai le plus remarqué, beaucoup plus qu'autrefois, peut-être parce que j'ai vécu au Japon et que la perception de la nature est différente. Je suis content que pour mon dernier séjour ici, j'ai pu voir des arbres en fleurs, des pêchers, des cerisiers. Toute une variété d'arbres en fleurs absolument magnifiques. J'ai pu voir les maisons, j'ai pu voir la nature qui se réveille au printemps.
Et je retiens en direct du départ de maman qu'elle est partie... elle est partie avec le printemps. Elle nous a laissé le printemps. Elle nous a laissé le beau temps. J'ai eu un temps absolument magnifique. Et puis, je crois au symbole, comme ça. C'est pas de la superstition, c'est des invitations à regarder les choses, plutôt. Je pense qu'elle est partie bien, au bon moment. Il n'a pas plu, il a fait très beau le jour de là, de la cérémonie et des funérailles. Voilà, donc ça c'est la maison de grand-père, il habitait ici. Bon, elle était beaucoup moins jolie à cette époque-là, elle était très différente, c'était un gros corps de ferme. Mais là j'ai vraiment beaucoup de souvenirs, vraiment beaucoup, beaucoup. Et là je suis en train de dire au revoir à tous ces souvenirs. Bon, il y a toujours un chien qui aboie. Hein. Voilà. Je vais finir avec le jardin de maman où elle faisait son potager. Donc ici, elle avait une espèce de baraque comme ça, où elle entreposait le bois, etc. Et puis ici, elle faisait son potager. Bon, c'est totalement à l'abandon, en fait. Elle avait un très très beau terrain. Puis il y avait cette espèce de petite maison là, que j'aurais vraiment aimé habiter. Mais elle entreposait ses affaires de jardin, voilà. Là, si je suis ici, en fait, c'est un petit peu comme si je la voyais travailler dans le jardin. Je l'y ai vu travailler. Voilà, ben, c'est fini. Hein. Et c'est vraiment fini. Voilà, donc on voit très mal, mais c'est ce corps de ferme qu'elle habitait. Beaucoup trop grand pour elle, envahie par les plantes. Voilà, bah écoutez, au revoir.